En principe, notre capacité d'accueil est de 800 personnes. Et là, hier, on a carrément éclaté, puisque le public est venu en masse. En tant qu'organisateur, on a estimé à 1500 personnes sur le site. Les festivités ont débuté à 9h, donc par le protocole comme officiel, les discours. Ensuite, nous avons eu plusieurs prestations de danse, des danses traditionnelles, des danses contemporaines. Et tout au long de la journée, en même temps, en parallèle, sur le site, nous avions des ateliers vivants animés par tous les artistes que nous avons reçus en résidence depuis l'année dernière par rapport à l'inauguration du centre culturel. Je m'appelle Valérie Célina Kounetso. Je suis originaire de Marie et ma maman est d'ici de Bakou. Donc la prestation que nous avons proposée aujourd'hui, c'est surtout la danse traditionnelle. Et les enfants que j'encadre avec les trois autres monos et les mamans, ce sont les enfants de l'école du dimanche. Et aujourd'hui, les danses que les enfants ils ont préparées, en fait, c'est leur demander, raconter un peu la vie quotidienne de la tribu. Et c'est comme ça qu'à la fin, les enfants ils sont basés sur la chasse et la pêche, parce qu'il fallait deux choses différentes au niveau des filles et des garçons. Donc les filles ont travaillé sur la pêche et les garçons sur la chasse. Moi, j'ai Ndangin Yamboué, mon nom Kanak. La première danse, c'était la danse de la pirogue. Le cherche de la pirogue. Le couper le bois de la pirogue, traîner le bois, brûler, enlever le bois. Et puis la danse de la pirogue, j'avais dit à ceux qui m'ont demandé, j'ai dit que c'était une danse que mon père m'avait dit, mais de son époque, il n'a jamais fait. Et puis j'ai toujours gardé, et depuis qu'on a créé notre association, pour renforcer notre répertoire de danse, j'ai remis cette danse-là. La pirogue, je pense qu'on a pensé de bien commencer par la pirogue et puis ou le potier. Bon, aujourd'hui, c'est un signe pour nous pour dire que voilà, si le son il est là, les gens, il y en a beaucoup de gens qui ont travaillé pour. Et puis j'ai trouvé que c'était le meilleur truc, c'était la pirogue. Voilà, de dire que voilà, les gens ont travaillé pour le son. Et que ce bateau-là, que toute ethnie confondue se retrouve dans ce centre-là. Une deuxième danse également, qui est la danse du cocotier. Grimper le cocotier, cueillir, redescendre, piquer l'œil du coco, là, de la noix, et puis le bois. Et cette danse-là, elle appartient à Bondé, aux gens de Bondé. À ceux qui sont plus âgés que nous, on danse aussi. Nous, on le reprend parce que voilà, il n'y a pas de type de danse que nous. Alors, on l'a fait. Madame Poignerois, c'est la présidente de l'association Komoudi. C'est une danse de bambou. C'est la danse d'accueil. Bonjour, je suis Jennifer Johnston, je suis la responsable de l'école de danse Yaoura Tahiti qui fait partie de l'association Omnisport de Népoui. Donc on nous a invités aujourd'hui à participer à l'inauguration du nouveau centre Pomemi. Donc c'est toujours avec un grand plaisir qu'on vient se produire chez eux. C'est une grande école de danse qui comprend plusieurs groupes. Les plus petites ont 3 ans. Et ça va jusqu'aux mamans, plus de 40 ans, voilà. On a des répétitions une fois par semaine.
On travaille beaucoup sur les costumes aussi pour justement, quand il y a des représentations, produire quelque chose de joli. Alors, c'est vrai qu'il y a deux styles de danse. Il y a les aparima, c'est tout ce qui est chant, qui raconte des histoires. Et les otea, c'est tout ce qui est percussion. Je vous demanderai donc de boucler vos ceintures. Merci et bon voyage. J'oubliais, nous aurons un quart d'heure d'arrêt à Mouraï, à la hauteur du snack Le Relais, où vous pourrez vous rafraîchir et déguster nos fameux gâteaux trous. Mesdames et messieurs, nous quittons l'ouvert. Reggae night again, reggae night, qu'est-ce que c'est que ça, reggae night? Alors oui, bonjour monsieur, nous mêmes nous écoute. Ah, bouillou, 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 bouillou. Les manous, les nats, ça y est, samba, ça y est. Les gros marmites pour la coutume, ça y est, c'est dans la tout à part. Olé, olé, si, si, non, non. Et kinendoui, kinend, avec des carouilles. Je vais arrêter ça, sinon jamais on va arriver à Wawilou. Le plateau acoustique a vu défiler la chorale de la paroisse de Bako, ainsi que les enfants de l'école du dimanche de Bako, le groupe Fusion. C'est une jeune composition des jeunes qui prennent des cours au conservatoire de musique. Donc nous avons eu le plaisir de les voir sur ce plateau acoustique. Et ensuite, à partir de 16h, le groupe A7JK de Tours a ouvert le plateau musical de la fête de la musique. S'en est suivi Espoir, Black System du sud, de Païta plus précisément. Ensuite, nous avions eu Kounoué Boys Band de Yengen, Dikena de Marie. Et nous avons fini notre concert avec Tainaji qui est venu spécialement des îles Salomon pour nous. Tainaji, c'est un artiste des îles Salomon qui officie depuis pas mal de temps. Il a entre autres été avec des. Jouait dans un groupe de punk qui s'appelait les Wasikanana Rapen Pipers avant. Et là maintenant il a sa propre carrière, il vient de l'île de Tikopia et il perpétue la culture polynésienne de son île en chantant dans sa langue. Et Dikenach, je ne sais pas si on peut encore les présenter, Dikenach, ils viennent du groupe Gouré de Gélé, depuis ça fait plus de 20 ans qu'ils sont sur les scènes. Et Dikenach, depuis qu'ils ont commencé leur carrière, ils ont toujours été présents, ils ont toujours assuré tous les concerts qu'ils ont faits. Et ils sont, on va dire, c'est devenu des icônes du pays et Marais devrait être très fier d'avoir des artistes tels qu'eux qui défendent la culture, qui donnent une bonne image de la culture. Et voilà, il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup d'artistes comme eux. Ah, yeah, last night was pretty good, yeah. But there's only a little problem with the cold, but even though it's cold, but good. I'm very glad to be a part of this festival or this occasion here in Kone. Yeah. Oh, il y avait beaucoup de monde. Hein. Énormément de monde. Hein. On est venu depuis le début, il y a eu beaucoup de changements aussi. Ça, c'est une grande avancée aussi pour le centre, pour la politique culturelle de la province Nord et puis ben, pour les artistes du Nord surtout, parce qu'ils ont bénéficié, ils ont de la chance de bénéficier de cette structure-là. Donc, il y a eu beaucoup de monde hier et maintenant, le plus important, c'est que voilà, le centre est là, il faut un bon neuf et puis on a une structure qui va être ouverte au public et puis aux artistes. Ça, c'est très important pour nous. Un petit mot pour les artistes. Eh bien, maintenant il faut venir travailler, il faut venir proposer des choses, on leur a donné une parcelle de terre, il faut planter les ignames maintenant pour que, voilà, demain on va récolter les bananes, les ignames, et puis, parce que souvent on demande toujours la terre ici, et après quand on donne la terre, il n'y a plus personne pour venir planter les ignames, maintenant voilà, on a un centre. Les artistes, il faut qu'ils viennent travailler, parce qu'ils ont de la chance, hein, chez nous. Il faut venir et travailler parce que même déjà je vois au niveau de l'expo, là, je disais tout à l'heure au niveau du dissous, ça a beaucoup évolué en 10, 15 ans, 20 ans. Hein. Voilà, donc nous, le créneau qu'on avait reçu du centre culturel, on avait voulu mettre en valeur les enfants. Donc l'avenir, quoi, le bâtiment, c'est un peu pour demain, donc on a voulu mettre en valeur les enfants.
Il y a des enfants de Coimbouc, le jeune qui était venu, là, Nicolas de Villars, c'est un jeune de Coimbouc. Et il y a des enfants d'ici, donc l'enfant Castavi qui a joué la guitare. Et d'autres élèves qui étaient au conservatoire et qui ont arrêté, qui sont à Nouméa, qui ne sont plus au conservatoire, mais qui nous ont accompagnés aussi. Et on est accompagné par un artiste, Henri Gorouna. Donc encore merci parce qu'il accepte d'accompagner les enfants. Voilà un peu notre vision. Est-ce que tu as vu quelques œuvres des artistes? Oui. Donc on a la chance, comme on travaille en partenariat, de visiter avant tout le monde. Donc on a pu se faire plaisir et voir toutes les œuvres de tous les artistes. Et voilà, félicitations. Nous, on prend le créneau musique, on prend beaucoup de créneau musique. Mais voilà, il n'y a pas que la musique comme art, il y a tous les autres. Et on est content que le centre culturel puisse mettre en valeur tous les autres arts qui sont équivalents. L'équipe, l'association aussi, sont très ravis d'avoir accueilli toutes ces personnes et surtout vous les artistes pour justement offrir au public quelque chose de spécial et ce beau cadeau. Dans un village, deux garçons, ils sont jumeaux, ils ont grandi seuls avec leur père. Un des deux garçons est aveugle. Son autre frère, non. Ils ont grandi dans le village et à chaque fois qu'ils sortaient pour jouer avec les autres enfants de leur âge, ce qui les surprend le plus, c'est qu'à chaque fois, soit pour rappeler le soir, pour rentrer à la maison, ou tout simplement pour se rassurer dans une situation difficile, ils les entendent dire tout simplement « Maman !» Un jour, les deux garçons se sont dit, tous les deux ensemble, on va poser la question à notre père. Ils ont posé la question à leur père pour dire tout simplement « Papa, comment se fait-il qu'on n'a pas de maman ?» Leur père de leur répondre « Vous savez, j'ai pas eu le temps de vous le dire. » Mais votre mère n'a pas eu juste le temps de se réjouir. Ben, je pense que l'art et passage, c'est un très joli thème.
D'autant plus que le terme passage peut être interprété de plein de manières. C'est à la fois quelque chose de fugace, quelque chose qui tient un instant, et en même temps c'est des passerelles qui sont données. C'est aussi la possibilité de voyager à travers les œuvres. Ça a plein de possibilités d'interprétation. Et quand on voit ce qui a été fait pour cette ouverture du nouveau centre, eh bien, on ne peut être que confiant dans l'avenir. On a le sentiment qu'il y a une dynamique qui est là. Et en tout cas, il y a au moins des artistes, des créateurs, des acteurs culturels qui ont envie de se mobiliser autour de ce projet. C'est plutôt de bon augure. J'ai fait le tour de la salle d'expo et il y a énormément de pièces qui sont là et qui me parlent et qui sont de très intéressantes créations. Ce n'est pas simplement des objets qui nous séduisent, c'est des objets qui nous interpellent, qui nous font poser des questions. Je pense qu'on arrive au terme là, du projet qu'on avait mis ensemble en place. Mais nous voulons vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Voilà le geste à nous, pour toute la délégation qui est ici. Au nom de l'équipe, au nom de l'association, ce geste pour remercier pour tout le travail que nous avons fait ensemble depuis. Pour nous c'est un grand défi. Nous sommes une jeune équipe, on a essayé de démontrer qu'on est capable de porter ensemble le travail qui est très lourd, parce que c'est un secteur qui est en plein développement, et que par votre contribution à ce travail-là, ben, on se sent rassuré. On est convaincu que ce qu'on fait, on ne fait pas des choses comme ça, là, déjà. On donne du sens à notre engagement. On est dans un secteur qui est particulier. On essaie de valoriser notre culture, la culture des autres, tout en travaillant ensemble. Et on est aussi la base. On est la base du développement. On est la base de ce pays. Sans nous qui sommes dans la culture, le pays n'avance pas.